pourquoi faut-il voir Les Amours Imaginaires? Les Amours Imaginaires est un film québécois réalisé par Xavier Dolan et sorti en 2010. Il est seulement âgé de 19 ans lorsqu'il réalise en autodidacte son premier film « J'ai tué ma mère » qu'il a commencé à écrire 3 ans auparavant. Mais alors, ça parle de quoi? Les Amours Imaginaires suivent Francis et Marie, deux amis de longue date. Tous deux ont un penchant pour leur nouvel ami, Nicolas, un blond aux cheveux bouclés, aux attitudes perverses et narcissiques et aux aspects de séducteur aguerri. Ici, Dolan nous montre la complexité des sentiments amoureux et montre la vérité avec une puissance rare. L'amour plonge toujours entre le réel et l'imaginaire, que l'aventure soit concrétisée ou pas. De plus, il y ajoute un côté documentaire pour illustrer et rendre réaliste ses propos. Les plans face caméra nous font sortir de l'histoire et nous sommes perdus entre fiction et réalité. Là, le vase. C'est là, en terracotta, là, où il y avait des scènes noires, là, puis de la... Ces face caméra, nous les retrouvons également dans J'ai tué ma mère et montrent alors la signature de Dolan pour se rapprocher de ses spectateurs. Les Amours Imaginaires est très touchant et les plans tous plus beaux les uns que les autres. Xavier Dolan s'est créé son propre univers cinématographique avec des plans surréalistes et n'hésite pas à faire de longs plans pour montrer les sentiments de ses personnages et y ajouter des ralentis comme pour suspendre le temps sur ces quelques instants de bonheur. Qui est ce belâtre particulièrement à l'aise? Dans le film, nous avons de nombreuses musiques pour nous rendre nostalgiques, comme la reprise de Bang Bang par Dalida. Ou encore Isabelle Pierre avec Le temps est bon. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Et bien évidemment, Pass This On de Zekni. Bref, on est là face à un film où on peut s'identifier facilement et Xavier Dolan a su l'amener de manière très légère. Pour moi, c'est un film qu'il faut absolument voir pour la beauté de ses plans et de ses personnages attachants.